Kenavo les auditeurs, j'ai lu Milky Way, qui se traduit en bon François par Voie lactée, de Monsieur Brice Bigaret. Bon, disons-le sans embâge, ce bouquin, malgré son appellation à la Pink Baby, n'a rien d'une boisson enrichie au colostrum, qui, comme chacun sait, est une substance épaisse de couleur jaune-orangée produite par la glande mammaire de tous les mammifères femelles ayant pour vocation de nourrir le nouveau-né en lui fournissant au passage les anticorps de sa maman chérie. Waouh, elle était longue la phrase, hein, mais j'ai tenu. Comme il semble impossible de parler de ce livre sans prendre le risque de déflorer les nombreux rebondissements perfusés au plasma qu'il recèle, je ferai quelques habiles pirouettes pour le chroniquer malgré tout. Je débiterai ainsi cette désopilante revue de presse en citant deux tirades qui, elles aussi, valent bien leur pesant de calibre 11 mm. La première. Elle nous est assénée par sa majesté du dialogue Monsieur Audiard dans une réplique extraite du film, pardon, de l'œuvre inégale égalable, Les Tontons Flingueurs. La psychologie, il n'y en a qu'une. Des fourriers le premier. Ouais, ça c'est du bon, ça c'est du lourd. Et le sieur Bigaret s'en est grave inspiré. La seconde émane du grand San Antonio en personne. Tu ne l'ignores pas, Bézuquet. Depuis que tu as lu ton premier Agatha Christie, quand on vient de défourailler, il subsiste des molécules de poudre sur les doigts. Ça, c'est vrai ça, dirait la mère Denis. Car ça n'est pas de quelques molécules de poudre dont notre auteur psychopathe Brice Bigaret a saupoudré son clavier. Non, c'est de tout un saladier, sans compter les quelques seaux d'hémoglobine qu'il a joyeusement déversés, faisant fi de la pénurie de poches à perfusion dont souffrent nos hôpitaux publics en rupture de stock. Un légiste, en mal d'autopsie, post-mort violente, en frétirait d'aise. Bref, nous sommes dans un polar à la mode thriller, noir, 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 c'est noir, très noir, semblant sortir tout droit d'une chronique sociale désespérée qui ne pouvait que tourner au désastre humain. Les personnages sont brisés. Pathétique, malheureux, méchant, mais attention, pas par choix, non, par triste vie et par accumulation de malheurs en vrac. Et c'est si bien rendu qu'il dégage d'eux une sorte de singulière beauté. C'est vrai, les chiens blessés et maltraités deviennent agressifs et mordent. Eh ben, les humains aussi. Et ça, Brice parvient à nous le faire comprendre en glissant même parfois une pointe d'humour qui donne à son bouquin un petit air de second degré. Notre auteur mal à ces personnages. Ce sont de vrais losers à l'américaine, genre ceux qui pullulent dans les séries noires d'un James Hudley par exemple. Pourtant, on s'y attache à ces bras cassés. On veut connaître leur sombre destin. On sent la catastrophe imminente, mais on racle quand même le fond de leur gamelle comme pour récupérer les restes d'un appât à chocolat qui aurait brûlé parce que trop chauffé. Ah, c'est pas mal ça, hein. Certes, et c'est un tout petit certes que je soulève, trop d'effet peut parfois tuer l'effet. Et la frontière est étroite entre le drame et la parodie. Je vous donne un exemple. Un homme qui pleure sa femme qui s'est barrée avec son meilleur ami. C'est pas drôle, c'est un drame. Mais il n'en faut pas beaucoup lorsqu'on compte l'histoire du cocu bafoué pour que le drame devienne vaudeville qui fait marrer tout le monde. Bon, l'écriture, eh bien, elle est nerveuse, rapide, efficace. Et elle rend un bel hommage aux grands auteurs de romans noirs américains, les Chandler, Elroy, Burnett et autres magiciens des mots à la plume égratignante. Il fallait oser, et Brice l'a fait. Et ma foi, il l'a plutôt bien fait. Son texte supporte courageusement la comparaison. Je me demande ce que ça donnerait traduit en anglais. Ça donnerait un bouquin que je serais incapable de lire, n'étant pas bilingue. Donc on laisse tomber. Pour résumer, c'est un bon bouquin que l'on peut placer dans le haut du panier des auto-édités. Bien meilleur que certains en maison d'édition qui parfois feraient bien de voir ce qui se passe hors de leurs sentiers battus et rebattus, tout ça pour respecter une ligne éditoriale. Ah ouais, mais c'est important à souligner. Les auteurs comme Brice sont les ambassadeurs des indés du livre. Ils sont preuve de qualité et de sérieux. Ouais, monsieur. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais je le dis quand même.